du mal à froid. Bon les amis, je suis heureux de vous retrouver. Ça fait un bon moment que j'avais pas pu rerouler avec le travail. Là de savoir que je vais pouvoir enfin ressortir un peu après les congés, ça fait du bien. Donc là ce soir on va aller faire une petite sortie en mode street. J'ai pris avec moi des amis qui sont à la base pas très voiture, mais qui voulaient un peu découvrir avec moi la glisse. Donc je vais partager ce moment là avec vous. Et je pense qu'on va passer une bonne petite soirée là. J'ai fait ma première bretelle d'autoroute tout à l'heure. Et je pense qu'on va aller s'en refaire une tous ensemble. Ça pourrait être sympa. Personne montée là, c'est petit frérot Yacine. Je vais chauffer un peu, je vais faire un petit aller-retour Toyo et après je prends l'autoroute. Thank you.
Faisal. Le gangster. Tu me diras ce que t'en penses. T'es déjà monté dans une caisse en drift ou pas? Hein? T'es déjà monté dans une caisse en drift ou pas encore? Non. Pas encore? Non. Viens d'ici, je vais me mettre sur le poteau, je vais te filmer quand t'arrives et tu fais le tour. Bonne. Ça c'est de l'entrée ça. T'es bien ou quoi? Ah ouais. Oh, t'as fait une entrée du Seigneur là. L'entrée elle était khatar. Attends, je suis arrivé comme un ouf. Ils vont le déposer dans en plein milieu du virage, derrière une rambarde. Nous, on va passer devant lui en glisse. Et après, quand on a fait le virage, on revient, on va le récupérer. Putain, bien. Bon, là, je peux pas filmer plus bas, mais on a une belle vue quand même ici. Hein. Bah, ça me fait plaisir de la ressortir en tout cas. Hein. Putain. Là, on est dans le compas pour vous faire une petite prise de vue. Imaginez-vous comment il se mouille le. Il se mouille la tête pour nous, les gars. Là. On en a placé un dans le virage. On va essayer de vous faire une belle prise de vue. J'espère que ça va vous plaire. On est avec Fétri maintenant. T'essayes, hein, t'essayes. En troisième là. Oh, oh, oh. Oh, ça, fait... ça fait flipper. Oh, oh putain. Même moi je sentais qu'elle était au fond de sa puissance, j'ai dû mettre des gros rappels pour pas qu'elle regrippe. Putain. Toi en trois sa mère. Oh, sa merde, attends.
T'es obligé de connaître un minimum ta caisse, gros, sinon tu fais un truc comme ça, tu le rates. Un truc de malade. Tu la plies dans tous les sens. Putain. Rien qu'à y penser, c'était vraiment un truc de ouf. Eh, la nuit, c'est impressionnant. Mais avec le virage, il fait mal. Ouais, déjà, le virage est méchant. Bah là, en glisse, on prend la taille de tout le virage. Hein. La voiture, elle prend. Y a plus de place devant ni derrière, en fait. T'as vu comment on est collé à la rambarde déjà devant? Un truc de malade. Je vais accélérer pour que tu vois ce que ça fait. T'es prêt? Oh putain, ça va vite hein. Des sorties comme ça fait plaisir. Surtout que je suis content de les faire avec vous parce que vous êtes jamais monté dans la BM, tu vois. Ah ouais, non, ouais. C'est ça qui fait plaisir. Ça braque là. Oh là là. Ça t'a plu, Fétri, ou pas? Ah grave. Wesh, ouais, tu vas voir là, t'es gros. Wesh, ouais, son pare-choc qui était collé à la rambarde. Ouais, c'est hors de partie. Bon, là, je fais monter le mannequin en 2019 là. Hey, il faisait flipper le truc en troisième, frère, laisse tomber. Elle pousse la garce. Ah, excellent. J'attendais de te monter aussi là. Ah putain, c'est trop bon. J'ai bien aimé quand tu frôles le terre plat et tu longes de l'eau. T'as senti qu'on a mis la roue dans le bac et on est remonté. Oh putain. Là, elle tire bien quand même la nouvelle, je suis content. J'avais peur qu'elle marche moins que l'ancienne en fait. T'es malade toi. Fais quoi lui, freine pas? Ouais, j'ai freiné pas lui. Tu l'as vu? Et le 307, j'ai pas compris par contre. Ouais, y'a pas freiné. Ouais, j'aurais pas freiné. Il y avait un truc par terre. J'aurais pas freiné, j'aurais pas accéléré. Le bâtard, il continue. C'est mieux de rouler comme ça, non?
fait plaisir de te monter, ça fait trop longtemps. Ah ouais. Un de ces enchaînements. Ouais, t'es terrible. Ah, ça te met le sourire toute la night, ça. Une fois que je roule, ça y est, je suis trop bien. Faudrait juste que je regarde ma direction, parce que c'est bizarre que quand je suis à l'arrêt, j'en ai plus, et que quand je roule, j'en ai. Ouais, ça arrivait que quand j'ai commencé à la dernière sortie que j'ai fait à Marville. On a foutu un bordel pendant au moins 10 minutes. Mais sur place, tu vois. Donc tout y a chauffé. Et au moment où j'ai arrêté, j'ai vu que j'avais plus de direction. Tu vois, comme la gare là, elle est super dure, la mode direction. Tu vois, là, elle est super dure. Et je sais pas pourquoi. Bon, ben voilà, les amis. Ça aurait été une petite soirée street drift. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a vraiment plu. J'ai pu refaire vivre un peu à mes potes le drift. Parce que dans leurs habitudes, ils sont pas trop pour le drift, mais ils voulaient redécouvrir un peu ça. Et moi, ça me fait super plaisir de partager ça avec eux. C'est mes frères d'enfance, donc vivre ça ensemble, c'est de la tuerie. Ah. Si ce contenu vous a plu, les gars, j'espère vraiment que vous allez mettre un like, que vous allez vous abonner, parce que je vois que la chaîne, elle grandit très, très lentement, mais petit à petit, elle grandit, donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, les gars, à liker, partager avec vos potes, et il y a de belles sorties qui sont prévues, et je vous garde un peu de suspense pour la fin janvier, ce qui va se passer, mais je vous avoue que ça va être quelque chose de très, très fou. Donc voilà, encore un énorme merci pour avoir regardé cette vidéo. J'espère que les réactions de mes amis vous auront bien fait rire, parce que moi ça m'a fait délirer, j'ai kiffé. Et je vous dis à bientôt les gars sur la chaîne. Plein de gros bisous, bonne fête de fin d'année et à bientôt les gars. Allez, ciao.